Euh, che maestro donc euh, nous avons une grande plaisir de vous voir euh, même à Shanghai merci pour euh, euh, nous discutons un peu sur le le CD que je viens oui. de le faire avec le euh, théâtre Massimo Bellini à Catania et avec la soprano Dimitra Theodosiou que vous le connaissez très bien très parce bien. que vous étiez le le grand Attis de Catania et beaucoup d'autres euh, importants opéras et nous avons une très grande honneur de vous présenter euh, de, devant le public euh, asiatique et de public euh, mondial évidemment. Merci, merci. J'aime beaucoup d'être à Shanghai. Euh, J'aime la Chine. J'aime le théâtre aussi. Bien sûr, parce que le théâtre, c'est oui, tout votre vie. C'est un très, très, très joli théâtre. Mais Catania, c'est un théâtre merveilleux, avec une acoustique euh, très spéciale. Oui, parce, Et, parce que cette fois-là, euh, nous avons euh, vraiment enregistré, pas dans le studio, mais c'est dans, dans le théâtre. Dans le théâtre. Et le théâtre, l'acoustique. Le théâtre, Très bien pour l'opéra, pas assez bien pour les concerts, parce qu'en Italie, l'opéra a toujours dominé. Naturellement. Il y a un oui. rôle tellement important dans oui. l'opéra oui. italien. Et Norma, c'est une, une des opéras les plus importants du répertoire italien. Absolument. Oui. Norma Sonnambula et Puritani, mm -hmm. c'est le, le, le répertoire de, de Bellini dans l'opéra italien. con Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti. Assolutamente. Sì. Oui. No, Norma è molto speciale perché nella Norma la protagonista, Bellini, ha un'allievo la sua carriera, specialmente a due cantanti, al tenore Giambattista Rubini e al soprano Giuditta Pasta. Giょte pasta naturalmente se tené pas soprano. C'était té à peu près contralto o mezzo. Mhm. Mm Mel de soprano. D'accord. La voix c'était plus fort. Bien sûr. Les sopranes c'était angélique. D'accord. Mm -hmm. très très dramatique. Mm -hmm. Et alors c'était la nouveauté. C'était la nouveauté de Bellini, de avoir la voix de, de femme très dramatique et sans virtuosité. D'accord. Et le même, c'est le ténor. Le ténor jean Gian Rubini, c'est une voix de ténor qui allait jusqu'au Fa sur aigu. Ça, c'est incroyable, comme, oui. comme on, on arrivait. Habileté. Normalement, on arrivait le, le ténor de Rossini arrivait à, à Ut, non? Oui. Et il arrivait jusqu'au Fa, cinq, cinq notes plus, plus haut. Formidable. Et, et ça, c'est un problème. Perché se noi facciamo Puritani, il n'y a personne qui fare questa cosa. E c'è la pirata. Le pirata. Euh, la grande nouveauté di Rubini è été la pirata. abbiamo quelque chose di più. Oui, nous avons la pirata, la pirata. aussi, absolument. È euh, très étrange la carriera di Bellini. Oui. Perché, voi, il nato né, il né dans 1801. Oui. Quando il a commencé negli anni années 20, il a commencé. Il dominava Rossini. Oui. Tutto il teatro internazionale, c'era Rossini. Seulement noi parlavamo beaucoup di Rossini. E il y imitatori imitateurs di Rossini, mm -hmm. e de, dei suiveurs di de Rossini, come Donizetti, mm -hmm. Mercadante, Pacini. No? Arriva Bellini quando Rossini abbandonò l'Italia. Il è andato a Parigi oui. e allora c'era il chant ouvert. D'accord. E Bellini è arrivato con la nouveauté. non Il n'était pas de Rossini, pas comme Rossini. Oui. Il n'avait pas de virtuosità comme Rossini, mm -hmm. ma il avait le canto spianato, Oui, oui, vous pouvez parler, euh, cette, euh, nous expliquer un peu euh, cette oui, expression euh, italienne. Probablement, probablement, le public connaisse euh, l'Andante spianato pour la brillante de Chopin. Absolument. Andante spianato, il y a de longues notes, oui. sans virtuosité, sans des roulades, sans des passages, sans des trilles, très peu de, de, et, et c'est la beauté de la voix. La tenue de la voix, la messe de voce. la belle canto, en fait. Euh... Oui, le concept de bel canto a changé beaucoup de fois. Naturellement. Parce que a changé le concept du beau. Bel canto, c'est beau chant, d'accord. Chanter beau. Mm -hmm. Mais il y avait une conception de, de bel canto dans Rossini, mm -hmm. une autre. Dans Bellini, un autre dans Verdi. Bien non. sûr. Est, tout euh, est différent. Est, oui, c'est différent. Mais, le, le concept de, du beau de la femme, par exemple, a changé beaucoup. Bien sûr. Non? Bien euh, sûr. Rubens, ce n'est pas la même chose que Raffaello, dans la beauté. Et aussi, on parle généralement de bel canto, mais il y a des époques de bel canto. Et Bellini, c'est une époque dans laquelle on a changé le concept. Mm -hmm. Et spécialement pour euh, l'œuvre. De, de Bellini. Oui, je voudrais bien de vous euh, nous parlons un peu parce que, euh, comme les, beaucoup d'audiences euh, que nous, nous euh, connaissons beaucoup, on connaît très bien euh, Verdi, on connaît bien Puccini, Mascagni, <laughs> Leoncavallo, mais pour Bellini, c'est vrai, même pour les audiences asiatiques, c'est euh, un répertoire que nous n'avons pas euh, souvent entendre et euh, surtout, euh, comme nous avons tellement de compositeurs italiens opéra, et, euh, mais Bellini, c'est très unique, je pense. Oui, pour cette raison. Pour cette raison, parce qu'il a changé. Et pour avoir vraiment des chanteurs de Bellini, on devait faire à peu près seulement Bellini. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a des de personnes qui peuvent, par exemple, aller sur le tenor aigu. Oui, le ténor, pour le, le pour la technique pour, arrive, oui, arrive sur le, 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 exemple, le high note. j'ai eu beaucoup de fois, quand j'étais dans le théâtre, vous pouvez voir Racquel Blake, qui était un tenor euh, américain, et oui. aussi Chris Merritt. Chris Merritt et Raquel Blake avaient une agilité fantastique. e arrivavano, non ma arrivavano Ma, anche Bellini, ma oui. la voce non era bella. Per Bellini. Pour Bellini. Mm -hmm. La tecnica c'era. E anche adesso Juan Diego Flores è formidabile di Rossini, ma lo fatto per e non era... Non esattamente la voce deve essere Spécialement belle. C'est la voix, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la roulade, ce n'est pas la chaîne de trill qui, qui est important. Mm -hmm. C'est la, la beauté de la voix. <laughs> ça, Alors, vous parlez de en, euh, en, euh, pour ça, c'est-à-dire que c'est la voix humaine, en fait. Oui. Nous avons besoin de trouver une voix humaine qui est belle, simple. Et puis, oui, oui, et, et expressive. 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 Non, pas seulement une belle femme. D'accord. Une, une belle femme actrice. D'accord. Parce que aussi, euh, la, Judith Pasta, c'était une grande tragédienne. Mm -hmm. Et son, son, euh, la justesse n'était pas. pas, pas, pas c'était comme, comme, oui. quelque chose qui n'allait pas dans la justesse. D'accord. Mais la, la voix. Et l'action, la, 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 mm -hmm. l'action c'était formidable. formidable. Mm -hmm. uh, Chopin n'était Chopin était pas, pas facile avec le chanteur, mais il l'admirait beaucoup. Ah uh, Judith Rubini. Quand il est arrivé à Paris, à Paris, il avait 20, 20, 22 ans, oui. il est allé à la, au théâtre italien, il a écrit... À la maison, ah, le voix, le voix, le voix. Le voix, le, voie. le, voie, le voie et le, le voix. Oui, D'accord. Oui. Parce que je suis persuadé quand j'ai travaillé avec Dimitra <laughs> dans le Casta Diva de, de, oui. de Norma. Et je trouvais, parce que euh, euh, évidemment, évidemment l'orchestre connaît tellement bien cette pièce. Oui. Et nous avons très peu de, de, de répétitions. Mais nous avons très bien travaillé avec Dimitra avec le piano coach euh, Maestro Spina, mot par mot, les phrases et surtout la respiration. Oui. Et euh, je trouve, euh, avant, je, quand je vois la partition, je trouve, euh, c'était très facile, parce qu'il n'y a que des notes très simples. Mais euh, euh, après, quand je commence à préparer l'orchestre avec les voix, avec Dimitra, et c'est là que je persuadé la, la habilité, de, le, 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 cette rubato intérieur est oui. tellement important, est tellement intense et puis euh, euh, et avec le, euh, le communication de l'orchestre et puis aussi vous vous le savez évidemment avec le, le choral qui qui arrive oui, et oui. puis c'est elle qui qui qui, qui, qui euh, qui euh, flying, qui est qui est, euh, euh, qui vole sur le ciel, mmh. mais cette voix est tellement, on en a besoin brillante, oui, oui. Un, un peu, oui. et, et c'est là que je trouve la difficulté arrive, parce que oui, mais l'orchestre italien euh, ça ça euh, ils ont dans le, dans le sang.

tel euh, euh, plaisir de oui. le conduire, parce que euh, je sentis cette uh, facilité et mm -hmm. cette habilité uh, et, et c'est ça que je trouve, euh, euh, après avoir enregistrer la Casta je j'ai finalement soulagé. <laughs> oui, et Casta Diva c'est la partie la plus difficile de l'opéra. Si vous entendez euh, Maria Callas, oui. très grand chanteur, ce n'est pas la meilleure castadiva. Oui. C'est une très grande norme dans, dans les autres oui. euh, pièces de l'opéra. Mais dans Castadiva, elle n'est pas le, le top. Par exemple, Montserrat oui, pour moi, c'était mieux dans Castadiva. Mais pas dans le, dans le trio. Ou dans le duetto avec le tenor. Eh? d'accord. Eh? Ça, ça c'est et eh, Dimitri Tatéadossi, c'est très spécial. Oui, et là, une, je pense qu'elle m'avait dit que dans le dans le dans le pendant le, notre travail, elle m'a dit que ah, moi je suis pas. Euh, Beaucoup pour l'enregistrement, le, le, le je suis plutôt pour la scène. Oui, oui. Et euh, vous savez, après l'enregistrement, nous avons le concert le 23 septembre, c'est ah le mort de euh, Bellini, et nous avons joué la même, le, tous les programmes hum, d'enregistrement. De et c'est là que je suis c'est vrai, que dès qu'elle monte dans la scène, elle a cette euh, euh, chose inouïe, elle est. Euh, elle est je pense qu'elle est née pour le public. Oui, 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 oui. oui, oui. C est, c est, il y a aussi de l'instrumental. Euh, il n'y a personne qui joue mieux avec le public que sans le public. Bien sûr, oui. bien sûr. Et oui. puis, j'ai aussi trouvé, dans le Bellini, il y a une difficulté, c'est pour le tempi. Oui. Le tempi, oui. parce que, euh, comme... Euh, un chinois qui conduit euh, les, les extraits d'opéra, euh, surtout Bellini, mais à Catania. Et euh, donc, le tempi, pour moi, c'est très essentiel. Je, nous avons discuté tout à l'heure, parce que sur le chant, euh, que nous avons marché ensemble tout à l'heure. Et puis, c'est là que je vous, je vous avais parlé de. Le tempi, en fait, est relatif. C'est comme la justesse de, de son. Oui pour les bois, pour les vents, oui. pour les cuivres. Oui. Mmh, parce que je trouve le tempi, c'est la respiration. Bon, nous pouvons très bien écrire le tempi, c'est 82, par la noix ou oui. euh, l'autre numéro, euh, l'autre tempo euh, différent, mais euh, je trouve le tempo, c'est une respiration, c'est oui. une... Euh, parce que sur le moment... Euh, je me souviens parce que quand nous avons fait le Guaira avec euh, oui. avec Dimitra et puis avec le coro, euh, Coral, euh, euh, nous avons trouvé tout de suite le tempi. Oui. Et cette tempi est très difficile parce que euh, ou on joue trop vite ou on est un peu moins vite et puis ça manque non, le temps. En fait, accélérant bien si. sûr. Si. Évidemment... Mais non, c'est. Il était un chef d'orchestre assez important, mais qui est venu conduire en Italie, diriger en Italie. Il avait le métronome comme ça, non Avec lui Avec lui. Et il faisait voir dans les répétitions aux chanteurs. Le métronome, métronome. d'accord métronome. Mais ça ne, ne marche pas. Non. Parce que si vous, vous mettez le, le métronome avec un enregistrement de Toscanini, vous voyez que Toscanini, c'était très, absolument précis. Mais ce n'était pas un métronome. Non. Pas un métronome parce non. que la, la, la barre a sa respiration, la mesure a oui. la respiration. Bien sûr. Et, et ça, dans, dans le champ italien, et spécialement en Bellini, c'est très peu. Et, Bien sûr, c'è très difficile di avere il tempo exact, ma on peut l'avoir in Castadiva. après la cabaletta, vous n'avez pas fait la cabaletta? Non abbiamo fatto la cabaletta. La cabaletta, on marcia, Ma questa è la differenza del de ballet, entre le, le moment euh, mimique, oui. comme si, e gymnastique. Bien sûr, bien sûr. Et le moment mimique, e il recitativo aria-cabaletta. C'est dérivé, selon moi, du ballet. Oui. Mm. Et euh, je suis persuadé aussi, c'est sur le Voga Voga. Oui. Et, euh, parce que le Voga Voga, euh, nous avons travaillé, et puis, euh, cette euh, tempo, je n'arrive pas bien dominé pour, pour le début. Mais après, j'ai discuté avec euh, euh, Maestro Spina. Il m'avait dit que. Cette euh, voga voga, c'est comme le, le berceau, c'est comme une. Euh, euh, nous sommes dans un bain, bacarola, bacarola, voilà, et qu'il bouge, il à gauche jusqu'à oui. droite, et puis et c'est là que je trouvais le tempi. Oui. Et puis après, euh, j'ai travaillé avec l'orchestre et puis l'orchestre vient de très fluide avec le, 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 le vo, le, la, voce, le, la la voix de, de, de chorale, et ça marche très bien, oui. et c'est vrai. Et c'est dommage, parce que La stranière c'est très belle musique. Hein. Mais nous avons, heureusement, parce que dans le CD nous avons choisi seulement l'extrait, nous avons des symphonias, nous avons des, des des moments pour les chorales et puis aussi pour les airs pour pour le soprano. Donc, je pense que pour euh, en général pour le grand public, ça doit être très, intéressé, très, très intéressant pour découvrir que le, le Bellini et surtout les, 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 les œuvres que nous avons choisies, c'est tellement fameux, euh, mm -hmm. et Mais je voudrais aussi vous parler un peu de le, 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 euh, Montechi et euh, Capoletti et Montechi. Parce que euh, l'histoire est tellement euh, jolie et c'est le Joliette et Loméo et Joliette. Et beaucoup, beaucoup de grands compositeurs faisons la même chose, mais le, Bellini a fait cette opéra, et Dimitra a chanté le. le, le, le et comme il y a ta veste. Voilà, et puis le et le moment, elle a chanté avec le harpe. Et souvent, l'orchestre, on met euh, le, 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 les, les harmonies dedans. Mais cette fois-là, parce que j'ai utilisé le nouveau euh, édition de Ricordi, oui. donc j'ai enlevé le, les, 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 les strades, les strings, strings mm -hmm. les, euh, les archers. Et, et donc, en fait, on se trouve une voix... Euh, tout seul avec l'harpe. Mm -hmm. Et ça c'est une nouvelle chose que oui. dans les autres CD, l'autre production que les gens ne fait pas. Donc c'est assez intéressant de pour les gens entendre le voix et seulement le, le, le harp. Bien sûr. Bien sûr. Mais Capulet et Montecchi très belle musique aussi et il y a un problème que euh, Romeo c'est une femme. d'accordo, Perché c'è un mezzo. Ah, c'è un mezzo. E allora, c'est les moments, c'est les moments dans lesquels euh, on n'avait plus de castrati. Mhm. Che che faisait del tenore, tenore tenor castrato, no? Poi. E mm. allora, on commençait à avoir la, la voix de femme de mezzo qui soprano. Double. Qui euh, double le rôle d'un travesti. Le rôle oui, c'est euh, très bien pour Chérubino, c'est très bien pour Oscar, si, pour si, si, Tavian, pour Balodine, pour C'est très je, jeune mm -hmm. homme. Mais pour Roméo, pour République, c'est toujours, toujours a... un, peu, un, peu, un peu embarrassant. D'accord, on en a besoin, un vrai homme, pour chanter oui. cette voix. On, on a essayé. Pavarotti avait joué la, la, la partie du, du ténor. Ah On a joué avec le ténor, mais ça ne fonctionne pas. Et avec le mezzo-soprano, vous savez, dans ce moment-là, c'était une explosion avec euh, Capoletti et Montecchi. Pour oui. une raison, je crois, pour une très, très drôle raison. Parce que dans, dans le vêtement, de Romeo, mm -hmm. on voyait les jambes des de femmes. D'accord. <laughs> et alors, il y a des, des silhouettes, il y a des, des, et ce sont des très belles euh, femmes avec de très belles jambes. Et ça a passé beaucoup. Euh, pour l'audience. Alors. D'accord. Maintenant, je fais deux fois, deux fois, ou trois fois, le et Montecchi, et tout, il était... Le public dit « mais Romeo, Roméo, euh, Mezzo... » Ah oui, d'accord. <laughs> oui, oui, oui. Le seul petit regret de, oui. de Capoletti et Montechi, oui. c'est le Romero. Euh, Parce que Romero, c'est un travesti, travesti euh, c'est oui. une femme qui a doublé oui. le rôle de Romero. Oui. et quand, quand il dit « c'est Roméo, tu es son fils », ce n'est pas la voix juste pour dire « si Roméo, t'a tué ton fils ». D'accord. Euh, oui, parce que c'est vrai qu'un maison est très difficile arrive cette tension oui. que si c'est un vrai homme que quand il parle avec cette manière, il doit être beaucoup plus euh, euh, dramatique. Oui. C'est ça le petit regret de cette, euh, cette de grande opéra mais je ne savais pas euh, cette chose d'édition euh, critique que vous avez. Oui, c'est un nouveau euh, édition critique de, de Ricordi que nous avons euh, travaillé ensemble mm -hmm. et euh, euh, j'ai trouvé euh, c'est très intéressant. Alors cette fois-là que j'ai enlevé les les, les, les traditionnellement euh, mm -hmm. dans le, le, le recitativo de Julieta avec mm -hmm. l'harpe et le, le uh, strings, le mm -hmm. les archets. Alors j'ai enlevé les archets et du coup euh, il y a le seulement le voix mais évidemment c'est plus difficile parce qu'il n'y a aucune support de sonore mmh. et euh, mais ça donne une une une, oui, oui, oui. une valeur euh, mmh. tout à fait différente parce que